Raïs et Abdoul et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Draft to Glory. Alors au préalable aujourd'hui, épisode numéro 11 de la série. Et il y a eu des gros changements dans le mode Foot Draft. En gros, ils ont rajouté tous les joueurs qui viennent de SBC. Et toutes les légendes sont dans les drafts maintenant. Donc c'est vraiment, c'est massif. On a un pack jeton draft parce que dans le fond, il y a un SBC qui est sorti il y a comme deux jours, je pense, où dans le fond, on reçoit un jeton draft. Et donc, justement, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour pouvoir avoir ce jeton et donc avoir une draft gratuite. Donc voilà, guys. Donc, sans plus tarder, on va aller faire la draft direct. On va jouer online, obviously. Et donc on va utiliser notre jeton draft pour participer. Donc comme vous allez voir, please une bonne formation. 4-3-2-1. 4-1-2-1-2. Oh man. Je pense que je vais prendre 4-3-2-1. C'était des formations de merde. Parce que je vais la jouer cette draft. J'ai pas envie d'utiliser une formation qui va me faire perdre. Donc comme vous voyez, toutes les légendes sont dans le jeu. Donc on commence massif avec R9. Maintenant elle est gauche. Oh c'est de la merde. Ah non, pas tant. Sadio Mané, Team of the Season, holy shit, ok. What a start. Garincha, Messi. Messi est player... Oh, non, je vais prendre Messi. Je vais aller avec Rating sur le coup. Mais holy shit, la draft part super bien. Oh my god, it's falling apart. Nice, alors, on va prendre lui. Rating, encore une fois. Ici, Icon please. C'est pas la meilleure, mais Véron, c'est correct. I guess we'll do with it. Une autre légende, ça c'est garanti légende. On a Vieira, je vais prendre Vieira. Juste parce qu'il est trop fort. Ah oui, il faut aussi que je fasse le Chemstyle Glitch. Je dois pas oublier ça. Je dois faire le Chemstyle Glitch. En fait, ouais, on va jouer de même. Défenseur centraux maintenant. Let's see who... I mean, it's alright. Sol Campbell is... Okay. Il est bon. In-game. Prochain def central, on a une Tots au fond. C'est Maguire, c'est notre Tots. Il fait partie des Tots. SBC, je veux dire. Je pense que c'était un League SBC, si je me trompe pas. Et finalement, gardien, on va prendre... David De Gea. David De Gea, je vais prendre... De Gea, il y a sa carte footmask qui pop assez souvent, c'est pas grave, je vais le prendre là. Dev droit maintenant. C'est pas... Je vais prendre Kyle Walker pour le collectif. Et finalement, dev gauche. Oh, come on. Je pense que je vais prendre Ferland Mendy juste au cas où. Dans le fond, j'ai pas un bon left back. Voilà. Alright. On va donc prendre le gardien maintenant. Deuxième gardien est nul, Pacheco. On va prendre lui à la place. Next up, on a Piqué Tots. Je vais le prendre pour le rating. Mais je pense pas qu'il fit. Honnêtement, je suis un peu déçu là. Je m'attendais à plus de gros picks. Ouais, c'est ça là. C'est pas très. On va y aller avec rating encore une fois. Mariano. Next up, deux Tots, oh, lui Simon, ce serait un très bon super sub, on va prendre, ah, oh, j'aurais peut-être dû prendre, il me faut 1 million en tout cas, clairement, anyway, let's continue, oh, there it is, il est là notre milieu, Valverde, nice, il donne un petit lien à Messi, si en mettant on fait ça, there we go, tout le monde est en full cam sauf Mané. Je préfère Vieira au milieu. En fait, c'est qui le plus lent? Ok, Véron, je vais jouer Véron au milieu alors. Donc voilà, tout le monde est en full cam sauf Mané. Next up, un bon attaquant, please. Barnes, Bernardo Silva, je vais aller avec Silva. Barnes, il est poche. On a déjà Sadio Mané de tête en avant. Donc voilà. Nice. Et dernier choix, c'est une légende garantie. Zanetti,
Pires c'est à chier, Shearer est à chier aussi, Gattuso pas bon, pas besoin en fait. Rating I guess, Zanetti, let's go with him. Do I start him? On verra, on verra. On va y aller maintenant, les choix réserves. 4 picks donc avant de faire le Chemstyle Glitch. Est-ce que je vais Ramos piquer en défense ou Campbell Maguire? Puis comme ça je peux mettre Zanetti. Ou sinon je vais avec Rating, je prends Rodrigo. J'ai pas besoin de Rodrigo. On va aller avec Ramos. Si jamais je change d'idée. Parce que je pourrais faire par exemple Ramos, Piqué et Zanetti. À la place de l'enfant Campbell, Maguire et Kyle Walker. Je sais pas qu'est-ce qui serait mieux in-game. On verra, il nous reste 3 choix avant de décider. Quelque chose qui pourrait nous... Y a rien là. Je vais aller avec Rating. Je vais prendre Griezmann. Inform. Même si Griezmann a une tots. 2 choix avant qu'on fasse le Chemstyle Glitch. Bon, des silver. Let's get this out of the way. Et finalement, dernier pick. C'est une légende. Ronaldinho, massif. Ou Nesta. Non, je prends Ronaldinho. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais même le start. Je veux des 5 stars killer en avant. Et normalement, ça c'est 92. Je vends lui Simon. J'ai plus besoin de Simon finalement. Donc voilà. Donc je veux juste voir. C'est sûr que le rating, le collectif se maintient là. Ce serait-tu mieux de faire ça? Et puis ensuite ça? Ou bien je remets dans le fond Maguire et Campbell? Je sais pas honnêtement. Oh, oh. Honnêtement, je pense que ce serait mieux ça. Puis là, je peux... En fait, Simon, je vais le mettre à la place de... I have no idea. Peut-être qu'il va rester sur le réserve. Anyway, fait que là, je pense que je vais faire je vais changer. Y a-t-il quelque chose que je pourrais améliorer là-dedans? Je pense pas. On a R9, Ronaldinho et Messi en avant, c'est parfait. Donc, je pense qu'on va aller... on va changer les styles, donc. L'important, c'est d'être bon in-game. On va prendre maintenant notre dernier choix. C'est Hazard. Et finalement, on va tout remettre en place maintenant, donc. Alright, boys, so we're back. Les styles ont changé. Donc, vous allez voir Maguire avec un style pour gardien, étrangement. Donc, Ramos Catalyst. Donc, il y a 85-81 en vitesse, c'est bon. Piqué, c'est parfait. 80 accélération, 95 vitesse, donc c'est très posé. Mendy, c'est sûr que c'est un joueur bon noté, mais il est fort in-game. 4 star, 5 star en plus. Donc c'est bien. Le milieu est fait, on a Messi, donc avec Cannonier. C'est correct là, on va try out Messi joueur du mois. On a R9, Ronaldinho, donc Ronaldinho normalement il a max vitesse. C'est beau, donc everything is good. Let's go, c'est parti, let's get into the gameplay. Alright boys, alors qu'on fait face à la première équipe, il y a Team There, Mbappé, Tatsaha, Sissoko, plein de bons joueurs. Bref, cette draft honnêtement ce fut un des plus durs drafts que j'ai joué de ma vie. J'ai fait face à 3 joueurs hyper forts. Et donc comme vous voyez, premier match, on est 1-0 down. Au début j'étais comme merde, je veux pas first round exit, mais ici, piece of skills avec Ronaldinho, what a finish. Ronaldinho guys, dans ce jeu, il est extraordinaire, trop fort. Ronaldinho, R9, je vous jure, c'est le meilleur duo que j'ai joué de ma vie ever. Encore une fois, R9 cette fois-ci, what a finish, encore une fois, c'est pas tous les joueurs qui peuvent tirer de cette façon, vous le savez. Et alors à cette heure-là, il fait donc... Il égalise donc, encore un rebound, début de merde, ça casse les couilles ces buts-là honnêtement. Mais, 2-2, Messi passe à R9 donne à Ronaldinho, et ici on se get un penalty, donc moment très important. J'utilise donc R9 pour frapper ce penalty, si je pourrais le marquer ce serait parfait. Et donc, R9 nous transforme ça en goal, let's go, on est donc 3-2 en avance.
Et là, ici, il part avec Timothée Mbappé, Sergio Ramos qui a 70 pace, peut rien faire. Je move mon keeper, je pensais qu'il allait shoot far post, finalement il tire near post. Et donc sur ce, je décide de faire des changements, j'ai rentré Sadio Mané pour Messi. Et ici, fair play, il m'a niqué là, drag back avec Sissoko, foot birthday. Il m'a bien destroy. Ici, à ce moment-là, j'étais comme non, non, je ne veux pas perdre premier tour. Mais non, on give up pas. On part avec Ronaldinho sur l'aile, un peu de skills. On revient drag back, on donne à Valverde, qui redonne à Ronaldinho, qui finish near post. Ronaldinho égalise 4-4. Donc, comme vous voyez, plein de buts. C'est serré, genre, on sait pas, toujours pas qui va gagner et tout. Encore une fois, un petit skills, un peu chanceux certes. Je la donne à Valverde. Valverde, what a finish encore une fois, near post. Et donc, on prend l'avance, donc 5-4 à la 78e. Et finalement, dernière minute, dernière action, R9. Parfait. Vieira qui donne en profondeur à Sadio Mané. Sadio Mané qui conclut et qui finit le match une bonne fois pour toutes. Là, j'avoue, j'ai été un peu méchant, je les chuche. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Et donc, on passe en quart de finale. Alors qu'on fait face à Eusebio Moments, Moments Petit, Moments Zanetti, une autre team assez forte. Ici, première action. Alors qu'une fois avec Eusebio m'a tellement fait chier cette draft. J'ai joué contre lui dans le fond dans ce match et en demi-finale, vous allez voir. Alors il part 1-0. Ici, on donne à Messi, Messi qui redonne à Zanetti, mais Zanetti à Messi encore une fois. On donne à Vieira, à Valverde, R9, scoop turn, shoot, what a finish man, R9, je l'adore trop, il est tellement quick, balle au pied, même chose Ronaldinho, ici checkez ça, Valverde a même pas récupéré le ballon, je comprends même pas pourquoi, et puis là après, il donne à Eusebio, et Eusebio, bon vous connaissez, peu importe d'où il tire, ça va dans le net, fait que j'avais legit aucune chance, il s'en va célébrer et tout, il croit qu'il a gagné et tout. Mais non, give up pas. 83e minute, scoop turn de R9 et R9, what a finish. On le chuche sur Scoot juste pour lui demander de se calmer un peu. Il a célébré alors qu'il faisait 2-1, mais c'était toujours pas fini. Et donc, ici, ça j'avoue, c'est un but de marde alors qu'on était en prolongation. Et je pensais qu'il l'avait pris avec son gardien, finalement non. Mais on en profite pour gagner 3-2 là-dessus. Et donc, ensuite, c'est pas, toujours pas fini. Encore, c'est passes en profondeur. Le B, ça fait tellement chier ses passes. Il donne à Eusebio. Legit, le seul joueur dans sa team. S'il n'y avait pas Eusebio, je vous jure, je l'aurais niqué ce gars-là. Eusebio, il fait trop chier dans ce jeu. J'aurais tellement voulu l'avoir. Mais bon, Vieira qui donne à Valverde. What a ball from Valverde. Quelle vision qu'il donne à Sadio Mané Tots alors que je l'avais rentré à la place de Messi, Player of the Month. Here we are, boys. La demi-finale. Ce match-là, encore une fois, aussi dur. Moments R9, Moments. Ronaldo et Moments Eusebio. Mais non, on part super bien. On marque 1-0 à la quatrième avec R9. R9 qui déjoue Puyol complètement. Il part sur l'aile. T'as Messi qui le suit. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais pas, je décide encore. Drag back, je donne à Messi. Messi near post. Et let's go. On est 2-0 à la 17e minute. Ça va super bien. Mais là, regardez ça. Ce but-là. Checké. Poteau. Direct dans les pieds d'Eusebio. Encore une fois, Eusebio, c'était Eusebio. Oh man, c'était Eusebio gros. Je l'ai jamais eu en draft. Ça me fait tellement. C'est sûr, j'ai R9 et Ronaldinho. Tu sais, je vais pas chialer. Mais voici, ici, un magnifique but de Ronaldinho. On est 3-1 up. Normalement, ça devrait bien se passer ce match. Mais ça a pas fini aussi bien quand je pensais. Je le tacle. Mais non, il reprend la balle, comme d'habitude. Vous savez, FIFA, c'est quoi. Il est en profondeur R9. What a great finish. Et là, ici. Encore une fois, je l'ai taclé. Frappe. Péno. Check, un péno. L'action était finie. Mais non, juste parce que R9 est tombé, c'est un péno. Mais c'est pas grave, on le save. Il a tiré en plein milieu. Bien anticipé de ma part. Et donc ici, il donne à R9. Zidane, near post. Il égalise 3-3 à la 85e minute. Là, à ce moment-là, je suis vraiment mad. Là, j'ai complètement perdu la tête après les buts qu'on a encaissés. Et voilà, 5 minutes plus tard. Il mène au score 4 à 3 et c'est toujours pas fini. Là, je m'en vais ultra offensif, je pars tout en attaque, je perds le ballon et là, encore une fois, je l'ai taclé, mais non, il récupère encore le ballon. Et sur ce, on perd donc en demi-finale. Et voilà, donc là, à ce moment-là, j'avais complètement give up. Le match était terminé. Honnêtement, j'étais vraiment pisse à ce moment-là, là. Mais bon, donc c'est ça, guys. Ça fait partie de FIFA. Vous connaissez le FIFA, de quoi ça a l'air. Et donc, on a donc perdu 5 à 3. Plein de buts encaissés, mais plein de buts marqués. Et sur ce, let's get into the rewards. Donc voilà les frérots, on a perdu donc en demi-finale malheureusement.
Trois matchs, legit, ça a été probablement la draft la plus dure de ma vie. Les deux premiers matchs, je les ai gagnés difficilement. Et la demi-finale, malheureusement, on a perdu vraiment dernière minute. Et donc, malheureusement, c'est ça quoi. Donc, on a seulement deux victoires. Donc, on va aller ouvrir nos récompenses pour conclure cette vidéo. Et donc, c'est des packs de merde, comme d'hab. Donc, pack premium A et pack jumbo. Donc, c'est ces trois-là dans le fond. Ces deux-là, je veux dire. Donc, on va ouvrir ces deux-là. Et puis ensuite, on va conclure la vidéo. Les autres packs, dans le fond, je les garde pour ce jeudi, dans le fond, quand je vais sortir le Serie A Pack Opening. Et puis, c'est ça, donc, rien de bon dans ce pack. Peut-être lui, il vaut une coupe. Nice, il vaut. Donc, on va lister. Disons, les 600. 1500, 1100, un truc comme ça. Il devrait partir à ce prix. Peut-être lui aussi il vaut. Non. En fait, oui, il vaut. Ok, il vaut lui. Fait qu'on va le lister d'abord. Comme ça. Un peu. 3000, 2000, puis genre 1200. De même, il devrait partir. Et finalement, lui, je pense. Non, il vaut rien. Ok, donc on va garder ça dans ce cas-là. Et finalement, on va ouvrir notre dernier pack, qui est un pack Jumbo Premier Hall. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment gagner ce match, puisque au moins j'aurais pu avoir des bonnes récompenses. Si, dans le fond, si tu perds en finale ou tu gagnes la finale, t'as des récompenses, t'as le minimum. Mais vraiment, ouais. Perdre en demi-finale, ça nous a coûté. Je pense notre argent en fait. Mais anyway, un hook c'est pas mal. On est rentré dans la draft gratuitement de toute façon. Fait que ça me dérange pas trop là. Donc, that's it guys. Donc voilà, merci de regarder. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bref, faites tout ce que vous pouvez pour encourager. Ce sera très apprécié. Je tiens un petit coup d'œil dans la description et la carte juste en haut à droite. Et sur ce guys, thanks for watching. Et I'll see you guys next time. I'm out.